votre contribution. Est-ce qu'on peut applaudir M. Tony Coco, s'il vous plaît? Mais ça va tout le monde qui est là. Et ça les bisous bien. Et ça les bisous bien. C'est des héros. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Madame la Présidente Grace Thémo, accompagnée de M. Joël, le coordonnateur, et de Madame la Vice-Présidente. On dit la compassion par Grace Thémo. Alors que tout à l'heure, nous avons tous suivi ici religieusement l'évolution de la vice-présidente qui est bien évidemment votre maman. Elle a expliqué sur des choses qui m'ont personnellement touché. Alors que maman était à l'hôpital, vous vous êtes détaché de maman pour servir aux personnes malades, mais ailleurs. Pourquoi avoir choisi cette appellation Fondation La Compassion? Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Puis on réduit le nom de Grâce de Mondi, Fondation La Compassion, et Grâce de Mondi arrive après, Baye Grâce de Mondi. À cette grande et grande fondation, il faut le dire, il suffit de jeter un œil à ses réalisations, vous aurez à comprendre un mot de quoi il s'agit. Est-ce que service protocole... Voilà, mesdames et messieurs, nous vous signalons l'entrée de Madame la Présidente de la Fondation La Compassion by Grâce Thémo, accompagnée du coordonnateur et de la vice-présidente. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Madame la Présidente Grâce Thémo, accompagnée de Monsieur Joël, le coordonnateur, et de Madame la vice-présidente. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore les acclamer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Madame la vice-présidente, votre place est là. Elle est très belle, c'est notre vice-présidente de la Fondation La Compassion by Grâce Thémo. Parce qu'ils sont là, mesdames et messieurs, nous allons demander à la technique de commencer par l'hymne national, cette cérémonie. Question d'honorer notre grand pays. Nous allons demander encore une fois à l'assistance de bien vouloir se mettre debout pour entonner l'hymne national. Allez, posez le micro là. Technique hymne national. Si toi tu n'es pas à la maison, alors le constructeur travaille en vain.
Seigneur Jésus Christ, nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus soutenir l'inspiration que tu as donnée à ta fille, Madame Grace Demo. Cette inspiration qui relève de la parole de Dieu, où il est dit que la pure religion, c'est de visiter le pauvre et d'assister les nécessités. Seigneur Jésus Christ, toi qui donnes la vision, donne aussi la provision. Alors que nous allons lancer officiellement le fonctionnement de cette fondation, Seigneur, laisse que partout où elle toquera, ouvre le porte, Seigneur Jésus Christ. Suscite les partenaires, suscite des personnes de bonne volonté pour qu'ils puissent apporter une pierre à cet édifice. Et dans le nom de Dieu puissant, souviens-toi d'elle par cette œuvre. Souviens-toi aussi de toutes les personnes de bonne volonté qui vont l'assister. À chaque pain qu'elle va donner, à chaque sourire qu'elle va apporter à un enfant, à un orphelin, à une veuve, Seigneur, traite avec elle de la manière dont tu avais traité avec la veuve de Sarepta. Qu'aucune farine, aucune huile ne manque dans sa maison. Pour le reste, c'est un Dieu puissant que tout ce qui sera fait et tout ce qui sera dit, même si dans notre vivant, nous n'aurons peut-être pas la possibilité de voir les bénéfices de cette œuvre, mais laisse que notre postérité puisse en bénéficier. Nous avons ainsi demandé, car tu as dit tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, vous croyez que vous l'avez reçu. Nous croyons avec foi que nous l'avons reçu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur David Ekar. Mesdames et messieurs, nous lançons cette cérémonie. Merci également pour la présence de nos partenaires, la FPT. Nous allons lancer cette cérémonie par le mot du bienvenu de notre très cher canton, M. Joël Mokichou. Ont réussi à éradiquer ces fléaux.
vous qui êtes à la recherche des solutions, vous qui êtes issus du secteur public, du secteur privé, vous qui êtes décideurs politiques ou représentants de la société civile, vous tous constituez une assemblée d'une exceptionnelle richesse, d'une exceptionnelle pluralité. Chacun de vous a un élément de la solution entre ses mains. En conjuguant les points de vue, les expertises et les expériences de terrain, en additionnant les volontés d'agir, gageons que la Fondation La Compassion by Grâce Témo est un partenaire idéal et important dans le combat pour le changement et pour l'avenir du monde. Ensemble, changeons. Merci à tous. Merci, monsieur le coordonnateur. D'un partenaire idéal, c'est bien sûr la FBT Missalandé, ici représentée par M. Dacosta, que nous invitons bien sûr pour son allocution. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, M. Dacosta, représentant de la FBT. La compassion by Grâce Témo de Madame Grâce Témo. Permettez-moi de vous exprimer tout mon sentiment de joie de vous compter parmi nous dans ce magnifique cadre de Rodana Hotel pour l'occasion. Comme nous pouvons tous les constater, l'agence FBT s'est prononcée favorable, disponible d'accompagner officiellement ces splendides projets de la Fondation La Compassion by Grâce Témo à poser ses premières actions sur terrain. Primo, le 12 mai 2022, à la Journée internationale des infirmiers. Secondo, aujourd'hui, 27 mai, 2022, à la sortie officielle des conférences de presse qui permet à sa fondatrice, Madame Témo, de fixer l'opinion sur les objectifs assignés par celle-ci. Mesdames et messieurs, distingués invités, amis et connaissances, membres de la presse ordinaire et en ligne, d'aucuns se poseront la question de savoir. C'est quoi l'agence FBT Missalandé Kasidjo? Et la plus crédible dans toute la République démocratique du Congo, dans le transfert de fonds et cargos grâce à sa rapidité, fiabilité et flexibilité. Ces qualités vous permettent, vous, clients, très chers clients, à faire croître votre chiffre d'affaires à un temps record, mais aussi répondre avec beaucoup de souplesse à d'autres besoins liés à la famille. J'ai dit si haut que FBT est une agence internationale ici à Kinshasa, dans toutes les communes où le quartier général est installé sur l'avenue Victoire à 40, quartier Matongé, commune de Kalamu. Nous sommes en Afrique du Sud, à Djibouti. Il sied de noter ici
que l'agence FPT est l'œuvre d'un digne fils du pays, M. Fiki Poupol, dont le souci majeur est de combattre, tant peu soit-il, le taux de chômage dans notre pays, la RDC. Et cela passe forcément. Comment? Oui, comment? Nombreux ou nombreuses sont les personnes avec leurs propres vos frettes. Aujourd'hui, c'est dans la santé et le social. Excellences, mesdames et messieurs,
le ministre ici représenté, honorable député de l'Assemblée nationale, excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des organisations, mesdames et messieurs de la presse, je vous dis bonjour. Distingués invités à vous aussi, trois écoles. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole des membres. À l'occasion du lancement de la Fondation La Compassion pour la Christine. C'est en constatant les injustices, les inégalités, les abus et violences liées au genre. C'est en étant moi-même bien malade, c'est en sillonnant la ville à la récolte des informations que le 4 janvier 2022 de cette même année, en cours à recréer cette fondation. Cette organisation d'une importance précieuse pour la République puisqu'elle lutte contre l'injustice sociale, les abus liés aux violations de droits de l'homme, à la délinquance juvénile, à l'exploitation de mineurs. La fondation La Compassion va grâce des mots lutte pour le développement intégral à impact visible pour la promotion. Pour la promotion masculinité positive. Pour la formation citoyenne sur l'entrepreneuriat et l'entraide mutuelle envers le proche de population le plus démunie, en passant par l'éducation à la justice. La paix, la non-violence et la réconciliation et la cohabitation pacifique pour un avenir radieux où il fera bon vivre. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7573e séance le 9 décembre 2015, la résolution 2250 pour but de protéger la jeunesse contre les menaces, les conflits et le fléau du terrorisme et promouvoir leur participation au processus de recherche de paix comme acteurs dans la communauté au niveau local, national, régional et international. Notons que les jeunes peuvent autres servir d'exemple pour ce qui est de prévenir et de combattre l'extrémisme violent, lequel conduit parfois au terrorisme et alimente les conflits, empêche le développement socio-économique et nourrit l'insécurité régionale et internationale. Ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont aujourd'hui à notre portée. Comment jouir du lendemain meilleur avec la jeunesse vouée à la consommation de drogues et stupéfiants. Qu'attendre d'une mère qui a 17 ans et à la merci du plus offrant? Qu'attendre de l'éducation scolaire de nos enfants demain si les conditions sont telles que nous les constatons? Les constatants aujourd'hui. Ces enfants dits chers. Au quotidien, nous en rencontrons et que faites-nous en retour? Cela ne nous interpelle-t-il pas? Nous ne sommes pas père ou mère? N'avons pas un cœur? Toutes ces questions sont la raison de ce qui pourquoi nous sommes venus. À cet égard, les retombées de nos différentes actions menées sur terrain démontrent déjà de signes très encourageants. Pour commencer, votre présence effective à ces cérémonies donne la preuve d'une volonté assidue et préfigure votre implication personnelle dans la réussite de cette vision. Ensuite, il est important de souligner que
l'exemplarité du cas de FPP du salarié Kazindjou. Dans le processus de formulation de nos programmes d'appui, la Compassion by Grâce Témoin étant une association sans but lucratif, visant à atteindre les objectifs assignés et prête à conclure un cadre partenarial avec le partenaire technique de financier. Ces cadres mettra l'accent sur la référence unique qui reste le bénévolant. La Compassion montre également son leadership en se mobilisant très rapidement pour construire un consensus en y associant non seulement le partenaire technique et financier, mais aussi le partenaire civil et autres institutions. Processus de action mené sur le terrain. Pour le compte de la vision RS, de la fondation RS qui signifie redonnons les sourires, redonnons les sourires. Avec le moyen de bord, mais motivé et déterminé, la compassion forte d'une délégation est allée réconforter et encourager le malade retenu en leur assistant avec quelques biens de base. La pédiatrie, mesdames et messieurs, de qualité. Je vous épargne des larmes parce que c'était très dur pour moi de vivre avec toi, ces enfants. Un premier pari gagné qui nous a été lancé le samedi 5 février 2022, le projet BBZ, je cite, la bonne bouffe pour la santé des élèves. Et le projet basket, premier sport féminin en RDC au lycée Morena Andrigiri. Une sensibilisation dans le but d'ouvrir une alternance à d'autres initiatives du ministère de la Santé sur la santé alimentaire après plusieurs recherches approfondies. La Fondation La Compassion by Grâce Témoin est persuadée d'avoir un programme où l'éducation alimentaire pratiquée à l'école, surtout au lycée, créera une passerelle efficace pour transmettre le savoir et savoir-faire aux élèves, en particulier les filles, enfin ces derniers réinvestissent dans leur environnement familial de leur vie quotidienne. Le monde célèbre chaque 12 mai la journée internationale des infirmières. Et pour cette année, la Fondation La Compassion by Grâce Témoin n'est pas restée indifférente. Elle s'est rendue à l'hôpital de référence de Kinshasa y remettre quelques lots de tenues d'une manière. De la remercier pour le travail. Il s'en est suivi d'un moment de réflexion et au final un cocktail organisé pour l'occasion. Question de festoyer et de commémorer cette journée qui ne m'a valu le titre pour personnel signant de sage-femme et sortir de cet événement. Ces trois réalisations distinguées invitées sont répertoriés dans la rubrique Allo. Dans le calendrier annuel de la Fondation Allo, avant les recevoirs officiels. Le dit calendrier prévoit avec détail les actions à réaliser pour toute l'année 2022, avec l'année que nous considérons fructueuse, avec votre soutien. Il est important de signaler que la Fondation La Compassion by Grâce Témoin est une association sans but lucratif. Son autonomie résulte à la contribution de ses membres, sans oublier la participation active de l'agence FPT qui accompagne cet événement, ainsi que j'appelle solennellement aux personnes de bonne volonté, souciées d'aider, participer au développement de la jeunesse, qu'une feuille de don est disponible à dater de ces jours.
Nous sommes encouragés de constater qu'ensemble, avec volonté, d'apporter le soutien, nous y arriverons. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier le groupe de ces perchoirs de KIP, directeurs de la compassion, pour leur engagement qui témoigne de leur confiance renouvelée. Nous réalisons, comme vous pouvez les constater. Sans le coût et la qualité de la conceptualisation et les consultations fines. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la presse congolaise. Que vive le Jupiter. Que vive la Fondation, la Compassion, malgré ce que je vous remercie. Merci beaucoup, madame la cette cérémonie du lancement officiel, c'est bien sûr la remise de documents officiels. Nous allons demander, bien sûr, à madame la vice-présidente, à monsieur le coordonnateur et à madame la présidente de bien vouloir s'élever tout en invitant solennellement monsieur Daglan Diata Mavou pour la remise de documents officiels. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est bien sûr par ici que nous lançons officiellement la fondation La Compassion by Grâce Thérose, bien sûr, monsieur Daglan Diata qui va remettre officiellement le document entre les mains de madame la présidente. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler, pas de problème. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, je suis M. Daglan Diata. Je suis le coordinateur de la Fondation TNT Fondation. Je tiens à vous remercier d'abord. Mais sauf que je n'allais pas venir. J'ai senti quelque chose en moi, ça m'a touché et je devais venir. Je fais aussi partie, à dater d'aujourd'hui, donc je tiens à devenir votre partenaire. Je dois vous soutenir. Merci. Allez, je vous remercie, s'il vous plaît. Dans quel sens je tiens à vous bénir. Hein? Je ne suis pas pasteur, mais je tiens à être un modèle exemplaire devant les gens. Grâce. Madame Grâce. Madame la présidente. Oui. Madame la présidente, s'il vous plaît. Sorry. Tu sais, nous sommes des Africains. On dit quand il y a quelque chose qui est modèle, ça sera une continuité pour toujours. Tu vois le PDG. Je te les donne avec franchise. Donc ce qui veut dire, ça va ouvrir les portes. Tout le monde aura l'habitude de le faire avec joie. Hein? Je vous prie. Ah. Officiellement. Ah, c'est la colère. Ce petit geste, je le fais avec toi. C'est pour t'aider. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, on vient d'avoir des applaudissements. C'est avec honneur. Et donc, nous allons devoir passer à cette séance de photos de famille qui, bien sûr, témoigne la fin de cette première partie consacrée au lancement officiel, tout en demandant au protocole également de nous préparer pour la seconde partie consacrée à cette conférence de presse. Photos de famille, madame la présidente, monsieur le cordon, madame la vice-présidente, ensemble avec l'équipe. Photo de famille, ensemble avec l'équipe. On va faire la bâche ou vous allez faire la bâche. D'abord, ici avec madame la présidente, et puis vous allez repartir de l'autre côté. Merci beaucoup. Photo de famille. Pendant ce temps, nous allons demander également. Ah, d'accord, elle arrive. Nous allons demander à M. Thierry Mombaya également de nous rejoindre. Tout en signalant à une que je préfère encore de garder deux questions aujourd'hui
elle ne sera pas actrice, mais elle pourra poser deux questions. C'est bien sûr au bout de la bisoune nationale. Madame Ursule Deschamps, elle pourra également poser quelques questions. Bon. C'est bien sûr la tombe au tombé. Il est temps que Madame Cynthia Capache puisse nous rejoindre. Alors, nous lançons bien sûr cette conférence de presse avec Monsieur Thierry Mombaya. Votre toute première question. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à la Fondation. Bonjour. Je crois avoir deux questions ici, mais avant toute chose, j'aimerais, avec respect que nous citons, commencer les jets de questions et réponses. Merci Thierry pour l'honneur. Madame la présidente de la Fondation, bonjour, encore une fois. Également, je pense aussi à travers un message de témoignage important lancé par la vice-présidente qui m'a touché également, vous demander tout simplement, comme le dit dans la Bible Jean 15, 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et continuez d'associer Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Félicitations à vous pour cette initiative louable. Coordinateur également à toute l'équipe, je vous encourage, bravo à vous. Merci. Je 17 questions. 17, mais je voudrais quand même poser les trois premières questions. Merci. Et ensuite laisser également aux amis de poser certaines questions également. Merci. Maman Grace Thébo, encore une fois félicitations. Je connais toutes tes idées là sont positives depuis. On a longuement parlé avec toi à Kinshasa avant de prendre l'avion pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, tu m'as rappelé tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qu'un jour tu dois réaliser une fondation. C'est une petite anecdote là. Félicitations à toi, madame. Alors, je vais à la première question. À travers votre fondation, avez-vous une catégorie de jeunes et de femmes à former et dans quel domaine seraient-ils formés? C'est la première question. Je vais poser toutes les questions directement. Non, posez des questions après. Ok. La deuxième. Maman Grace, la nécessité dans notre pays, la République démocratique du Congo, on compte de millions. Dans des situations aussi différentes, il faut parler également de la première question et liée également à cette deuxième question. Avez-vous fixé la catégorie de nécessité? Et ma troisième question, très rapidement, comment comptez-vous concrètement s'y prendre dans la promotion de la masculinité positive? Voilà, je garde encore mes... Combien de questions? 14. Voilà. Merci. Alors, avant de passer à M. Thierry Mombaya, je veux rappeler aussi à M. Tony Oko que les questions peuvent être partagées. Ce n'est pas seulement Madame la Présidente de répondre. Alors, pendant que vous notez, vous pouvez vous les partager. En fait, je pense que je vais prendre deux premières questions et la troisième question, je vais laisser la dernière question. C'était quoi le catégorie de jeunes et de femmes à former dans quel domaine? En fait, je crois que. Oh, le gars, c'est mieux, hein? Voilà. Je suis une femme, une jeune femme. Déjà, parmi mes champs de bataille, je dirais, par rapport à ma vie, je me suis auto-proché la vie sur les rapprochés de la fabrication. Nous luttons d'abord sur toutes sortes de violences faites à la femme. Voilà déjà, je pense qu'il n'y a pas si bien sur les armes. Pas si bien. Sous la masse, peu importe. Violence ou bien sur le bas, c'est pas plus tard. Mais, par rapport à l'encadrement, nous sommes là pour encadrer de la jeune fille, plus que c'est pour la fille mère. Parce que, vous voyez, que l'histoire en Afrique et puis plus précisément en Congo,
jeune fille ou à ça, mineur ou à ça, la femme peut être étrange dans son amour, c'est pour l'analyse à combien de l'esprit. Alors, bon, ma copine est négligée, alors, bon, ma copine n'a pas complexe, bon, oui. Nous, la Fondation de la Compassion, nous sommes là pour faire croire à cette dame-là que, malgré au rôti, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Alors, parlons des formations, ma formation est déjà des autres, c'est les femmes qui, quelques formations, notamment la coupée couture, le télérie, même le média, parce que j'ai pas mal de jeunes filles, bébé, maman, je voudrais devenir chroniqueuse, youtubeuse. On va aussi former les jeunes dans le domaine de mon âge. Donc, dans le bac, ma jeune, ma fille mère, pas ça, mais ma chambre, ma tête, elle est sur ma case. Nous sommes là pour soutenir la fille mère, mais surtout sur toutes sortes de violences faites à la femme. Violence conjugale, violence sexuelle, violence morale, ça existe aussi. Parce que moi, je pense que violence morale, et ça pour tout. Ma thème reste sur la violence, il n'y a pas beaucoup. Parce que la violence morale au sein de la crise, elle est parce que moi, je faillis faire une crise de dépression. Heureusement que j'ai une famille au patriarcat. Et j'ai une famille au patriarcat. Parce que j'ai subi de violence. Pas il n'y a pas beaucoup, mais je subis de violence morale. Oh, ce pays, dans la vie, il nous a invité, ou carrément, il n'y avait pas ma famille. La fois, c'est quand même parce qu'elle est morte. Au moment où la fille, pas pour ma colérique. Oui, bah, pas pour ma colérique. Parce qu'elle a subi des thèmes de violence morale. C'est quoi la deuxième question? Vous avez répondu directement à la deuxième question. Je rebondis à la deuxième question. Merci. La troisième question, je pense que le corps pourra rester. Parce que tout ce qui est à voir, on va discuter des enfants. D'accord. Merci. Alors, la question, c'est concernant la promotion de la masculinité. Alors, sur ce point, nous pensons, nous, la Fondation La Compassion, organiser plusieurs activités, comme l'a souligné Madame la Présidente lors de son allocution. Nous nous basons sur deux résolutions du Conseil national, du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui de la 2250 et de la 1325. Alors, ces deux résolutions parle d'abord précisément de la jeunesse, la paix et la sécurité, puis 1325, c'est la femme, la paix et la sécurité. Alors, s'il faudrait paraphraser la présidente, la fondation se veut et se base sur la promotion de la jeune fille, du jeune garçon. Dans la logique mondiale, on se dit que la jeunesse, c'est entre... c'est plutôt plus 35 ans, 25 ans au niveau international, mais dans notre pays, on va jusqu'à 35 ans. Alors, nous voudrons former, montrer à ces jeunes qu'il y a des outils qu'on peut mettre à leur disposition pour qu'après cet âge de jeunesse, qu'ils ne puissent pas refaire les erreurs des aînés, c'est-à-dire avoir une autre conception de la femme. Penser autrement. Tout de même, notre slogan de la Fondation, ensemble, changeons. Alors, lors d'une interview dernièrement, j'ai dit que changeons ne veut pas forcément dire changeons de mentalité, comme on a l'habitude de le dire. Changeons dans le sens où tout ce que nous pensions être normal, culturel, traditionnel, que nous puissions avoir un autre regard. Se dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple, je suis bien bel et bien le coordonnateur, mais je suis dirigé par une femme, qui est Madame Krasner, qui est ma présidente, que j'ai réitéré d'ailleurs pour respect. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous réunis, c'est parce qu'elle a pris une décision. J'ai apporté une fiche technique. En fait, nous avons apporté une fiche technique. Et cette femme-là, qu'il y a quelques années, on aurait pu dire que d'ailleurs, ma décision ne sont pas et vous allez ramener. Mais elle a pris toutes les décisions qui nous ont conduit à cet événement. Et elle a pris toutes les décisions qui ont conduit à ce que vous puissiez voir aujourd'hui naître la Fondation de la Nation.
C'est sous son leadership, c'est sa vision que nous ne faisons qu'accompagner, exécuter. Donc, c'est déjà l'exemple de la masculinité positive. Alors, c'est en gros, je dirais, ça nous change. Comment avez-vous tissé le lien entre Madame la Présidente et moi? Alors, je dirais que c'est presque une famille. Pratiquement une famille. Je connais grâce à lui un bon moment, ça fait très longtemps. Mais nous n'avions pas eu le temps de discuter sur, je dirais, quelque chose de sérieux, autour de quelque chose de grand. En fait, c'est moi qui ai approché Madame Chris. Je suis allé vers elle parce que j'avais vu sur Facebook la première activité à l'hôpital pédiatrique de Galilée. Ce qui m'avait attiré au fait, c'est le haut. Les mains qui portent le cœur et ce petit pour la compassion. Je l'ai approché humblement en sollicitant de pouvoir intégrer son équipe. Parce que moi, je pensais que c'était déjà une dynamique bien combinée, une structure stable qui avançait déjà. Elle a accepté que j'intègre la fondation. Je lui ai proposé la démarche tout en accompagnant sa vision. Elle a pris une décision en acceptant que je l'accompagne sur ce chemin. Alors nous allons devoir demander à M. Thierry Mombay. Voilà, merci. Il fallait plus bonjour. Félicitations à Madame Grasté pour cette initiative. On dit souvent les idées ont les gens. Je pense que vous n'êtes pas la première personne à avoir eu cette idée. Au Congo, à Kinshasa, ou sous d'autres cieux, il y a des dames, des femmes qui s'étaient même transformées pour changer l'image de la gente féminine, pour impliquer la femme dans la construction d'un monde meilleur. S'il faut le dire comme ça. Mais après, j'ai des questions ici. La première, j'aimerais poser la question à la Fondation de manière générale. Vous allez choisir la personne qui va répondre à nos préoccupations. On dit la compassion by Grasdemo. Alors que tout à l'heure, nous avons tous suivi ici religieusement l'évolution de la vice-présidente qui est bien évidemment votre maman. Elle a expliqué sur des choses qui m'ont personnellement touché. Alors que maman était à l'hôpital, vous vous êtes détaché des mamans pour servir aux personnes malades, mais ailleurs. Je pense que l'appui, la motivation est partie de votre expérience personnelle. Ce que vous avez vécu, vous n'avez besoin de rappeler tout ici, mais vous avez connu une histoire qui est connue aussi des autres. Mais pourquoi pas directement appeler ça Fondation Grasdemo? Parce que Grasdemo, c'est aujourd'hui une marque. Grasdemo, c'est aujourd'hui une personne connue qui est aimée par tant de votre expérience. Grasdemo Fondation, ou Fondation Grasdemo, allait être mieux, par exemple. Pourquoi avoir choisi cette appellation Fondation La Compassion? Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation? Puis on réduit le nom de Grasdemo, on dit Fondation La Compassion. Et Grasdemo arrive après. J'aimerais bien qu'on essaie de comprendre ce qui se cache derrière cette appellation. Et la deuxième question, je vais la poser à l'entreprise FPD. Aujourd'hui, je ne sais pas si le représentant de l'entreprise qui va répondre ou pas. Allez-y. FPD est le partenaire affiché ici. Mais j'aimerais faire comprendre à ceux qui nous suivent que la fondation ou les ASBL, les ONG fonctionnent avec les contributions. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de partenaires pour faire avancer la vision, tout ce que vous avez comme principe, projet et tout. L'implication de l'entreprise se limite à quel niveau? Au cas où demain ou après-demain, une autre entreprise souhaiterait travailler avec vous, mais qui œuvre dans le même secteur que FPD, vous allez vous gérer comment?
vous allez gérer ces partenariats pour moi? Parce que moi, pardonnez-moi, mais je vois grand. Déjà, le fait de nous inviter ici à Rogano, c'est pas vite. Le fait d'organiser les choses de cette manière, ça prouve aussi que vous, dans la fondation, vous visez grand. Ou comme les partenaires venaient, vous allez vous gérer, vous les partagez comment? Est-ce que FPD va supporter de voir un adversaire sur terrain devenir partenaire de la fondation? Est-ce que il y a tellement de préoccupations? Je pense qu'au niveau nous sommes, c'est tout ce que j'avais prévu comme question. Merci beaucoup, monsieur Michel. Merci beaucoup, monsieur Michel. Je pense que je réponds à la première question et la dernière question. Le temps de vous la compassion par grâce d'aimer. La compassion par grâce d'aimer. Ma mère a presque dit. On a eu cette idée, je me rappelle, c'était au Calabara. Depuis le 4 janvier, le 4 janvier 2020, c'était vers 3h du matin. Et à ce moment-là, on a dit, ah, maman, je dois me défouler. Maman, je dis, tu vas te défouler, parce que tout ce que j'ai connu comme problème. Maintenant, je dis, tu vas te défouler, qu'est-ce que tu peux faire, aller sortir, faire la manger tout le monde. Je veux lutter contre toutes sortes de violences. Parce que quand on parle d'une fondation, beaucoup de personnes passent toujours dans les lettres qui ont fait un petit tableau qu'il y a. Ce que les gens comprennent la fondation de foi, ces femmes-là, comme on les dit, souffrent en silence. Je vais utiliser mon image, ma notoriété, pour être la voix de ce monde, de ces femmes-là qui souffrent en silence. Et je vais profiter de l'occasion pour dire. Pour dire aux femmes, réveillez-vous et dénonçons la violence. Moi, je suis contre la violence. Ça tue appétit feu, en fait. Ça laisse des indices revenir vivant même ta génération ou des enfants. Je dis stop à toutes sortes de violences faites à la femme, pas seulement congolaise, à la femme du monde entier. Parce que la fondation, la compassion, parlons de la compassion, pas tellement je voulais mettre la fondation parce que voilà, je suis pudique, j'aime mon nom, j'aime dénoncer les noms de mon père, il y a mon père qui est là dans la salle et tout. J'aime le nom de démon, et ma mère c'est la grâce démon. Ma mère me dit Déa parce qu'elle connaît trop ce nom. Madame la présidente, vous avez signalé quelque chose. Ouais, on peut voir, il est là. Est-ce qu'on peut voir? On peut voir papa et puis on va l'applaudir, mesdames et messieurs, c'est papa qui est mon père, il est notre présidente. Merci, bienvenue, maman. Maman, me dit, restez mon président dans nos biens, mais il faut que vous comprenez comment vous voyez. Oui, mais vraiment dans la vision de l'autre, la vision de la maman, elle fait comme nous, elle laisse-moi réfléchir. Après, tout de suite, elle me dit, la compassion. Bon, j'ai même pas réfléchi, mais donc je dis, ok. Maman, elle va dire, tiens, fondation, la compassion. Oui, maman, elle laisse pour vraiment, papa, se référer bien, je préfère mettre ma grâce démon pour remettre le pinch. Par rapport à ou pour les yeux qui étaient bien, c'est appelé aussi le bonheur et tout, de la tête qui grâce des morts. Tout comme pour ça, petit petit salon de coiffure, la résurrection, par tirer mon pas à partir. Donc, vous pouvez la saga qui est non, c'est toi qui fais ce que vous voulez. La compassion, maman me dit, quand on parle de la compassion, et en parlant de journée, il y a le 9 janvier 2022, c'est une journée. Et je me dis, si aujourd'hui ma mère partait, qu'est-ce que j'allais dire? Parce que ma mère, elle est tout pour moi. C'est elle qui me donne la force de se lever maintenant. Elle me dit, grâce à toi, fais-le, tu vas le faire. Ma mère dit toujours, je sais, tu vas le faire. Même quand tu dis, non, 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 t'as dit, non, tu vas le faire, moi, je suis contre cela. Parce que ma mère a l'habitude de me dire, d'ailleurs, au mieux, son sang va piner dans ma vie. Après ça, oui. Donc je me vois pour toi. Tu vas faire ce que moi, je vais. Tu vois, essayer de faire quelque chose. Mais la mère m'a arrêté. La mère m'a dit que ça allait descendre en Afrique quand il y a fait la démission. Je vais partir avec elle. Du coup,
un jour avant, à Koyaka, on a eu un peu de temps, 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 on a eu un peu de pas dans ma salle à manger, mais à la mienne qui est en train de partir. Je suis là, mais ma soeur, je ne vois pas leur pousser ma. On a battu tout ça, mais la ligne, l'aide de toucher pas le bas matin. Pour mon livre, maman a bûché les soins. Quand je suis partie, on a dit que ce soit le bas, on se dit pas le marge. Je n'ai pas monté. Parce que dans la cage, je dis ma mère est en train de partir. Et la salle de ma campagne, on se dit pas la prière, je remercie. On a fait un mois dans ma vie, mais avec 10 jours à moi. Et la foire. Aujourd'hui, là, derrière moi, c'est plus que le moment. Alors, ça fort. Hein. On peut applaudir, on s'est parlé pour pleurer. Ah, on peut pleurer. Alors, je reviens à la question de la gestion du partenaire. Ou à Montagne, je pense que c'est clair. Ouais, c'est clair. Oui. Alors, si je dois revenir en arrière, FBT, je ne l'appellerai pas partenaire. Je l'appellerai parrain. Comment? Parrain. Ok. Pourquoi parrain? Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance de notre fondation. Et la première personnalité morale qui a cru en nous, c'est la vérité. Sans voir les Antilles, sans voir les failles, nous étions encore à nos débuts et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont dit que nous allons nous accompagner. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui. C'est comme ça que moi j'appellerais FPT comme un parrain. Alors, sur la gestion des partenaires, peut-être sans ignorer, il y a toujours des contrats qui se discutent à gauche et à droite. Alors, nous tâcherons toujours d'avoir notre parrain à notre côté, à moins que notre parrain décide de jeter son filleul ou sa filleule, comme c'est la fondation. Mais nous pensons continuer avec la FBT sur d'autres perspectives. Et nous sommes une fondation, mais nous agissons un peu comme une ONG. Donc, comme la présidente l'a dit, nous ne sommes pas forcément dans l'assistance, parce qu'on a trois piliers. Il y a notre rôle qui est juste là. Donc, à part la formation, on a l'assistance. C'est dans l'assistance que nous allons voir les démunis, les personnes malades, visiter tout ce monde-là. Et nous avons la formation et la promotion de la masculinité politique qui va sortir un peu de l'ordinaire. Donc nous allons organiser des ateliers, des renforcements de capacités. Alors je pense que en tant que, vu que nous visons loin, nous aurons sûrement à exécuter plusieurs projets et nous aurons des accompagnements multiples. C'est-à-dire que si nous arrivons par exemple, je prie Dieu que cela arrive un jour, que nous voulons faire des ateliers ou bien des renforcements de capacité sur la masculinité positive et il y a la MONUSCO qui nous accompagne. Pourquoi mettre de côté la vie? Donc je me dis qu'il y aura à chaque activité, à chaque projet, nous aurons toujours des termes de référence que nous allons partager à ces partenaires qui vont venir ou qui sont déjà là. Celui qui sent ou qui est d'accord avec ce terme de référence et qui est d'accord pour nous accompagner, il y aura un protocole d'accord qui va réunir tous ces partenaires et se mettre d'accord sur une chose. Tout ce que nous voulons, c'est un accompagnement pour atteindre nos objectifs. Et bien sûr, une personne qui vient d'accompagner ne viendra
va pas te donner un financement pour rien. Nous resterons dans le respect de nos accords, dans la logique de notre vision. Si nous pensons que, même si la Banque mondiale vient aujourd'hui et veut nous donner des millions, et sur ces conditions, nous pensons que nous ne pouvons pas le respecter. Nous ne mettons pas l'argent devant. Nous mettons nos objectifs, notre vision devant. Si nous pouvons atteindre ces objectifs qui est clair, pas clair, mais parce que plus que nous sommes redevables à ce bailleur de fonds-là, lui donner ce qu'il attend de nous, d'accord, nous nous mettons d'accord et nous lui faisons voir que nous avons aussi un autre partenaire qui est dans le secteur financier. Et voilà, si vous êtes d'accord, voilà, nous prenons ensemble. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons notre partenaire avec nous. Merci. Je peux. Alors, avant de prendre M. Tony, rapidement, nous allons inviter une dame, parce que la suite est positive aussi, je crois. Madame Tania Mamedi. Merci. Merci, M. Denis Coco. Là, je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Pour section, M. Goromoni. Pour l'Angaï, j'ai milité. Quand on a connu, là, déjà, par contre, il y a un masculin, on s'en a eu. Aujourd'hui, j'ai évolué pendant tant de l'Aï, à monde associatif et puis organisationnel, donc ONG. Il faut moi une amie. Déjà, pour faire bref, je ne suis pas violent. Je ne suis pas violent. Mon dame, oui, Salamarata. Je ne suis pas violent. Je ne suis pas violent. Il y a mon épouse dans la salle. Déjà, la preuve, c'est que moi, je me suis marié très jeune. Je me suis marié très jeune. Pendant la période de mon coco et au. Ils avaient moins des filles qu'on en a. Alors, les petites familles d'Angaï ont pensé que je me suis marié pour la Tchèque. Donc, la Boueki, la Eyi, là. Alors, tout ce qui est là, vous voyez bien. Personnellement. Tony, vous pouvez me dire, si vous pouvez aussi en profiter pour présenter madame. Oui. Je sais que tout ça s'enlève sur TV, Internet, tous ceux qui me connaissent, excusez-moi, même mes ex. Parce que je n'ai jamais été violent. Non seulement je n'ai jamais été violent, j'ai toujours la ligne à la pizza, le meilleur de moi-même, c'est-à-dire que vous boostez autour de la salle à évacuer, à part que vous allez voir si elle peut faire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais été pour une femme de ménagère. Donc, la femme allait la parler, la salle de l'autre côté, elle est. Ma femme est une. Elle a ses affaires à elle, je le fais, que je ne contrôle même pas, parce que c'est à elle. Oui, en cabinet, en cabinet, là, oui, en prime, en cabinet, c'est à elle. Ben oui, ça c'est une obligation. Donc c'est pour dire que. Donc c'est un peu ça la logique. J'ai toujours encouragé
les femmes qui savent se prendre en main. La chose qui m'a poussé moi à venir faire grâce, surtout que je le dise, j'avais encore cette conception de youtubeuse que tout le monde a. Déjà, moi personnellement, sans la moitié de ma YouTube, c'est qui m'énerve d'ailleurs, je me dis, au moins à ma côté, t'es la première, t'es là, quand on compte un politique, moi, des fois, on est obligé de le faire solo, c'est la vidéo sur mon net. On a vu la vie. Donc, les enfants, ils ont eu un égo énervé. Alors, je n'étais pas vraiment branché YouTube, j'avais une autre conception de YouTube, et j'en ai fait respect pour grâce à ce que j'ai envie. Et pour moi, ce qui m'a encore motivé, c'était ce risque. J'avais su que maman était hospitalisée. Et pendant ce temps, grâce à un créer une formation, qui fait une activité. J'étais étonné, je demandais à ma femme, je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a zoné là, il y a des gens qui ont Facebook. Elle m'a dit, non, attends que maman vous aurez le temps de discuter avec elle. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à suivre grâce sur les réseaux sociaux. Ce qui était la bonne en bas, si je puis dire. Alors j'ai compris qu'elle avait osé quelque chose de grand. Par rapport à ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle était en train de vivre dans la minute du moment. Je me suis dit qu'il y avait sûrement une idée derrière. Alors, je discutais de ça avec ma femme. Finalement, j'ai essayé d'en faire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je signale que sa femme, c'est ma copine. Mais moi, je suis en Kézaké. Alors, je me suis décidé. Je suis venu la voir. Je lui ai dit que j'avais une petite expérience, pas dans la fondation. Mais en cadre de la ONG, pas encore expert, mais avec le peu que j'ai comme connaissance, je pouvais l'accompagner. Et je me disais que grâce à vous, forcément, grâce à vous, une fondation, c'est une fondation. Parce qu'on a l'air d'un ami, les gars. Alors, je lui avais dit au départ, de me mettre de son niveau, de son nom, pour apporter ma petite touche et expérience aux amis. Et par peur, il y a peut-être, elle s'inquiète que j'allais faire sa vidéo. Elle s'inquiète la Toya, je vais t'accorder mon temps, l'expérience aux amis, je te demande juste l'accomplissement. Et puis ça se poursuit, ça tourne bien. FBT, FBT Squire, bénévolement récolté. Oui, d'autres questions de madame, après nous allons avoir encore une autre dame. Deux questions. Bonjour, grâce tes mots. Bonjour, madame Abedi. Ici, tout le monde a dit que c'est un peu de motivation. Nini a ma casse pour grâce des mots à Zanamo pour la fondation Compassion by grâce des mots. C'est ça. Ma deuxième question grâce des mots, tout le monde a les lots, mais l'objet de éviter. Micro, mais c'est bon, non? C'est bon. Bon, yo, quand là. Ok. Moi, tout le monde a mis les amis. Tout le monde a mis les amis. Nous avons visionné la fondation dans 2 ans. Tout le monde a mis. Voilà, merci beaucoup, 10 ans. Merci beaucoup pour les très belles questions. Motivation à la main, il est en tête. Je vous réponds d'ailleurs. Vous avez d'abord. Dans l'entreprise d'elle, les bosses m'appellent ceci, parce que je me
Et qu'est-ce que vous allez gagner ensuite?
la joie, le fait de voir la joie, le sourire. Bénévolat. Très bien. Elle sera remplacée par Madame Binez. Ok. Binez. Voilà. Ton micro, une question. Encore. Une question. Une question, et puis mon baïa, une question. Ouais, je te laisse. Rapidement. Madame Binez va remplacer Madame Marie. Sinon, j'en ai plein. Je peux. Oui, parfait. Voilà, une autre question, je pense que pour en profiter, comme je disais tantôt, c'est la compassion, mais pas une grâce d'homme quand même. J'aimerais bien prendre cette grâce d'homme qui est chroniqueuse à la base, c'est vrai, youtubeuse, c'est la plateforme moi qui les a pas. Je vois ici dans la salle, il y a des artistes. Je vais vous citer Youssef Echama, Michel Yanté, Romain Picabongo, les Tissiens, la Zébé. Eux ont trouvé des partenariats qui existent entre la grâce d'homme, la chroniqueuse qui durait. Et les artistes, nous développons un partenariat à vie, autant que c'est toujours continué pour ça, pour ça. Comment comptes-tu impliquer ces artistes dans la promotion et la vision à la compassion? Parce que c'est vrai, les artistes, chaque fois ça parle d'un projet, des placements publics. Donc, l'artiste doit être payé pour faire la promotion d'un projet. Maintenant, on va prendre par exemple, c'est la seule femme congolaise, on joue ça à la théâtre, cinéma congolais. Mais ça, il y a un million de vues ou millions d'abonnés dans les réseaux sociaux. C'est la seule femme qui est comme ça. Comment utiliser cette femme au même moyen d'un niveau à collaborer dans le placement produit, mais pour impliquer ou accompagner un tel projet? Il y a cinéma où il y a art dramatique. Madame Birsu Péchama Azala. Azala, et puis Azala, même s'il y a des nouvelles générations, on n'est pas au côté. Et moi, pour moi, il y a honneur d'être orienté et de nous avoir la présence de la vie. Parce que là, Azala dit qu'on est. Et notamment, moi, je l'appelle aussi la dame du cœur, parce qu'elle a ces cœurs-là. Mais elle vend ses services. Elle vend ses services, mais on l'a dit tout de suite que la fondation est sans but. Donc madame Lucille a offrir sous la prestation à la fondation. En ça, la mot pour la casse. En ça, la parce qu'elle est un leader pour la jeunesse. Parce qu'elle n'a pas sa chambre. Mais bah, le conseil est à la main. Par exemple, ce conseil, c'est vraiment de si peut-être comme aider le monde à la prise des bureaux et tout là. Ok. Il y aura toujours un budget pour leur foutre à moto de côté. Mais les blagues, je ne pense pas. Parce qu'elle me soutient toujours. Elle est là, elle me donne tout le temps des conseils. Grâce au Versus. Tout à l'heure, vous avez dit que ça m'avait emporté la plainte. Elle s'est emportée dans la plainte. Donc je dis merci beaucoup à AG et au Marika Bono. Parce que AG également, c'est un pilier. Aujourd'hui, quand on parle de l'art congolais, sauf la Bible internationale, on ne peut pas citer 5 balles sans pour autant qu'on a un. Merci beaucoup à ma soeur chérie Babicha Yali et à la femme. On a pour la fois qu'on peut savoir les logiques parce que on les est c'est ma famille. Madame Laetitia Mwamba, elle aussi, c'est ce que j'aime chez Laetitia, elle est très intelligente. Voilà. Fallon Vito dit, c'est ma soeur, elle a toujours soutenu. Et merci à tout le monde. Merci, Madame Krastemo. Madame Binez, deux questions. Bonjour, Krastemo. Bonjour, la Krastemo. Félicitations à la Fondation. Merci. Voilà, première question à vous, Ali. Lélo Léoro, vous avez toujours la félicitation à vous, Eli, ma privée. Vous m'avez mis l'image en sous, la presse en ligne, sur le là. Krastemo, il y a 2 ans passé, la Krastemo et Lélo, ils ont la grande différence à Kassé. De l'eau, mais sur la Bastille, la Libanda, on a mis ça à Mikobengayo et Malouest, on a mis sur Bastille, 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 on a mis s
Question est celle-ci. Et la dernière. Voilà, merci. Voilà. Faire montrer de l'importance de la création de la fondation et lancer une collecte de fonds. Pourquoi ça déjà mis la voilà. Parce que lancer une collecte de fonds, ça veut dire que maman va nous peut-être que si maman va nous faire un bon mot, que nous allons faire un bon mot, et que nous allons faire un bon mot, soit au lieu que nous cochions le coup la bala tant sous fille mère à Kokoya au PC mon enfant a été capable na a élevé puis tant sous moi na boya ça tant sous enfant abandonné au bazar et na maboko et grâce aux sous ces stratégies amis j'aurais préféré poser une question sur les corps pour avant les mois trop allô vitro tu as avant les mois trop avant les trop pourquoi pas grâce tes mondes répondre parce que tout ce qui est en rapport technique de la fondation c'est quoi. Ah d'accord, ok, d'accord. Alors déjà, point gratification, okay. L'idée qu'il y a là, ce n'est pas la même explication que pour les OBC. Mais la collecte de fonds que nous parlons là, et ça en rapport avec les donateurs. Ah ok, ok. Donc, la fondation a aidé les OBC. Nous pourrons monter un projet d'assistance, par exemple, aux mamans maraîchères. Mmh. On se dit, par exemple, la fondation aimerait accueillir les titres dans l'hôtel Bagdad à Kinshasa, un terrain d'un hectare. Ou, maman maraîchère, nous l'entendons, on appelle ça comment encore l'agriculture, des plateformes. Donc, on va donner à chaque maman, en fait, on va sélectionner. Ils ont clôturé. Ah, merci beaucoup. C'est madame Ebou Béchara. Moi, je suis là, pas pour des questions, mais c'est juste pour encourager grâce à Dieu. Et à sa qualité. Il a apporté les mains, il a bravo à tel comme moi aussi, pendant sa fondation. Dans la fondation depuis 2013, je sais comment distribuer, je sais comment, ok, non, non, on a pas de tout. Mais étant donné la question qui est là, et là, je la soutiens. Et surtout, c'est une femme. Parce que ce qui va se passer en Allemagne, c'est une force. Il va se passer en Allemagne, il va se passer en Allemagne, il va se passer dans la force de l'Allemagne. Non, mais
elle a une chose vraie. Mais je voudrais poser une question à Lucille. Le fait qu'il a signé une icône, mais ça, violence, ça sert à rien. Ah, masculinité positive. Ben, c'est pas ça. Et t'as pas qu'il en osait, t'as pas, non, mais c'est l'idée, je sais rien à faire la soutenir. Pour le moins, on a tout à coup, il y a pas de choses, genre, on peut pas pour une seule page, et c'est pas facile du tout. Et là, t'as la chroniqueuse, la mission, c'est vrai, mais c'est bien. Mais là, très positif, parce qu'il y a des fois, ça touche la famille à Batou, ils arrivent dérangés Batou. Et en retour, peut-être que ça a été loin, tout ça. À propos aussi, quand bébé, nous sommes un problème par rapport à mon amour, tout ça, à côté aussi pour t'aider. Donc, continue, mon mot. Et Ata va cracher sur toi et ne répond pas. Et non, là, plus, là. Dès que tu as là. Dès que tu. Ouais, pourquoi tu n'es pas tout le monde? Qu'est-ce que tu fais? Message, je n'ai pas besoin de vraiment. Bon, même mon coach. Message, parce que toi, tu es à la base. Tu es à hauteur. Je sais que tu fais bien ton travail. Et je t'aime beaucoup. Dans le bon moment, c'est bien pour. Peut-être que vous ne pensez pas à la base. Tu vas encourager. Alors, mesdames et messieurs, c'est madame Osissa qui dit. Alors, on va la bonne question sous les armes. Encouragement à madame Yossu. Je voudrais que tu poses aussi une question. Dans la maison, les gars. Kevin, tu veux ta question? Je ne sais pas, je vais poser quoi. Grâce à Dieu, la star. La star. Tu fais qui vous? Il y a les bourses d'abord. Félicitations. Merci, mon ami. Au moins, il y a plein d'ensemble de témoignages. On va poser la question, on va pas le vivre trop. Et ça, la main est simple. Au moins, on a besoin d'évoluer, mais on a besoin d'évoluer par place de Routi. La bicycle a tout comme le lot, peut-être, par ton intimat à Benzadi. Dans la cycle, on a ma fondation, ma ligne, ma sponsor, rebelle. Maintenant, on a mon aboué, et ça, on a pour s'envoler là, pour s'envoler là, Kanda, et c'est mon nom sur la carte. Kanda, par rapport à qui est là, tout parce que ça a mis son chance. Au Benzadi, malade, et tu commences à tout comme le lot. Et à mon gars, félicitations. Fondation pour une année, deux ans, et moi, t'as soigné du dès qu'il est vraiment la chaîne nature, parce que ce que tu sais que nous allons faire. Merci, Castille, pour la merci, vous avez mérité. Alors, comme ça, non. Nous, qui est là-bas, pour une fondation, merci, pour les salariés. Voilà, merci. Tony Coco, est-ce qu'il te croit? On va la ça. Alors, c'est le bon de couper ça. Alors, pendant ce temps, peut-être que Matoumazo qui donne le discours, toi, l'allocution, il y a madame la présidente, bien et puis d'ailleurs, monsieur Daglo, Yata, à Sala qui juste au Isala qui vraiment un discours. Il y a madame, je rappelle que dans deux semaines, nous lançons un projet de reconstruction. Dès demain, projet aux Arabes en ligne sur nos plateformes. Donc, projet numéro un, réhabilitation et reconstruction. Il y a ma orphelinat qu'ils ont déjà ciblé. C'est dans deux semaines. Alors, madame la présidente, pendant son allocution à l'Obaki, que c'est ouvert avant de l'endroit de Saint-Moté, mais désormais, après lancement officiel, c'est ouvert. Au Nyon, soit Monica, qu'on contribuait pour.
la bonne réalisation de ces projets. Quand est tout ça tout beau ça en Europe? Parce que le Ketchup à Salamo et puis nous attendons l'accord de M. Tony Kongo. Mais aussi, sur quoi c'est ça à dire? Master, tu as oublié de préciser que là-bas, pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, une fiche de don est disponible, sur le site officiel. Monsieur Tony Kongo, deux honneurs à M. Tony, votre contribution. Est-ce qu'on peut applaudir M. Tony Kongo, s'il vous plaît? Et puis, ça va être bloqué, n'est-ce pas? Ça va être bloqué, n'est-ce pas? Voilà où il va aller le ballon. Et puis, nous attendons également M. Koubaya. Un arbre, ça vaut le nom des mots comme ça, instantanément comme ça. Tout ce monde-là qui ont le but. Excellent. Tout ce monde-là qui ont le ces mots. X fois, pas de bonne chose. Et bon, coupage, c'est ça. Coupage! Non, mais c'est ça. Bénévole. Alors, pendant que nous attendons la contribution de M. Thierry Bombaya, celui ou seul animé par cette volonté d'accompagner la Fondation La Compassion peut le faire sans toutefois. Tout comme dans la dimension, il y a aussi des nommément de personnes. Ah voilà. Et ça les sont bien. Et ça les sont bien. C'est lui ou seul qui est animé de bien vouloir accompagner la Fondation La Compassion. C'est un moment de collecte de fonds. La Bouine en a cité nommément. Les étudiants peuvent aussi le faire. Alexandre Guignard. Le bureau, ah, voilà. Voilà. Où est mes avances? Et héros? Ah, vous allez me payer parce que je stimulerai les gens. Ah, de l'autre côté. Ah, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye, grâce à vous. Alors, une autre personne, bon, certainement il y aura d'autres personnes au bon regard. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre participation. Ceci dit, nous allons devoir passer au cocktail et séance de photos. Remerciements. Voilà, déjà premièrement, je remercie à tout notre groupe. Merci à la presse congolaise, très chers confrères et consoeurs. Merci aux artistes comédiens. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci beaucoup à la banque. Moi, j'aime beaucoup dire la banque. À la banque FPT.